Trois fois par année, on peut célébrer la fête. Et à l'obélique, que vous se présenter banani bani trois fois dans l'année. Et on a parlé aussi de ce que les hommes devaient se présenter trois fois dans l'année. Il faut la tête la enseignement. Il faut que tu maîtrises l'enseignement. La vie, c'est l'enseignement. Comment il est la vie par exemple, que dans une année, savoir que le Seigneur a dit dans une année, les hommes se présenteront trois fois. Dans l'air, il n'y a personne. Pendant la fête, il n'y a personne. Après, on et après, se présenter la fête de la semaine. Il se présentait aussi pendant la fête de la semaine. Donc, étant dit cette semaine, donc on comptera cette semaine. Il y a moisson. Cette semaine, je dis cette semaine, ici, il y a moisson. Et après l'écoulement de cette semaine, les hommes vont aboter dans le temple, la table va se présenter. Et les hommes iront encore se présenter au temple. Et toujours dans l'année. Et toujours dans l'année. Troisième présentation. Pour et ça, la fête de tabernacle. C'est à la fête du tabernacle. Le septième mois. Au septième mois. Le calendrier d'Israël. Dans le calendrier d'Israël. Là, on termine la Lévitique 23. Là, tu lis Lévitique 23. Il y a un moment au tambolaki. C'est pourquoi on avait fait une marche. La carte à Kotambola, la bichon. Et dans notre marche. On t'a mis ça qui voulait. On avait montré ceci. Présentation, on est au dans le temple de Yazam. Et cette présentation se faisait au temple de Dieu. Or, le temple de Dieu, et ça, image, il y a véritable temple. C'est l'image du temple véritable. Qui est le ciel? Oui, les animaux collés à sol. Donc, la signe, en signe, les hommes, voyez, la temple, les hommes, la physique. C'est présent au temple physique. Mais tant que vous avez parlé de vous spirituellement, lorsque le Seigneur vient d'en parler spirituellement, les temples, vous allez le ciel. Tempérez, vous allez l'eau, la tombe. D'abord, la personne qui dit nous, Jean-Paul. C'est pourquoi je vous avais donné Jean-Paul. Le verset 13e. Le verset 13. Jésus a dit maintenant. Jésus a dit. Personne n'est monté au ciel. Monte la titala comme à l'eau. Attaque aussi lui va verser la vie. Élie est monté au ciel. Même si nous saisissons vos versets, Élie a m'attaqué à la main. On va ici pour des rois 2, verset 11. Là tu montres ton prochain. Des rois 2, verset 11. Frère Élie d'abord. Après. Non, et non, aussi marcher avec les trois hommes. Et non, tu peux à Tamura Kananza, mais Tamanza. Voilà, Genèse 5, verset 24. La Genèse 5, 24. T'as la parole des choses. Regarde dans ces versets. Mais comment l'icône? Mais le propriétaire de l'écriture. A Élisée, il t'a dit. Personne n'a côté à Tikalakumata. Pourquoi le Maki Bongo? Pourquoi il avait dit ça? À la Ibotali, ça. Il montrait. Les chemins à le vieux Foumama Kinaro. C'est là, il y a dit. Vous avez la main, tu suis attentivement. Alors, qu'est-ce que je suis là, mais les pour moi, il y a un dîner à mon petit. Attends, au moni, Eline, non, pour m'accueillir. Même si tu vois Eline, non, être enlevé. La personne qui est là, qui est architecte à notre mandat. Je t'avais donné l'exemple d'un architecte qui conçoit la maison. Allez, ça, la plan à elle, en cas. Il veut concevoir les plans de la maison. Allez, vous avez la prochaine. Il dit la maison a trois chambres. La papier pour ma chambre, mes parents. Sur le papier, il écrit la chambre des parents. Attends, CH1. Et puis, mais CH1. Chambre à côté de la base. Et chambre de filles. Chambre à côté de la base. Chambre des garçons. À combien on véranda. Et puis, il écrit de l'autre côté, véranda. Après, on écrit de garage. Et puis, il écrit de l'autre côté. Alors, comment vous voyez votre ça? Il n'a pas un entraînement à donner à son plan. La matière n'a pas bien garage. Le papier. Il faut que la voiture ne vienne pas sur ton papier. Pourquoi la voiture vient le faire entrer sur ton papier? Pour combien de garage? Parce qu'il a écrit garage. Dieu n'est architecte. Ça vient à sa ligne. Attends, on a dit Elie Atena. Même si Elie est monté, Enoch Atena. Enoch aussi monté. Il fallait des garages dans le papier. C'est comme les garages en papier d'architecte. On dit ça au papier, moi. Les volets qui m'ombre, ma signe. Il a commencé avec les signes des hommes. Voilà pourquoi dans la réalité. Vous entrez maintenant dans la réalité des choses. C'est ça les écritures de Dieu. Il y a un mot de ma commis en també. Autant dans le corps, la bateau va souffrir des masses matérielles, que ça va prendre des livres. Ne prêchons pas comme les autres qui réunissent les gens pour aller en fer. Faut qu'il y ait des armes à
parler, si l'enseignement est bon, alors c'est concentré, même si tu te concentres, comment tu ne verras pas le Seigneur? Si on prêche mal, si vous vous êtes dans ça, mais tu es en train de t'attendre, mais tu prêches mal. Et là, nous avons présidé, maintenant le président de la Bosse. J'ai tiré tout le monde les regards
C'est aujourd'hui. Jésus-Christ est arrivé. C'est lui le sauveur. Il est le rédempteur. Tout se regarde vers lui. Et quand il s'en va, quand nous son ministère n'a rien à dire, il représente tout le temps de son ministère, de sa prédication. Psaume 78, verset 2e. Psaume 78, verset 2. Il le bénit, j'ouvre ma bouche. A dit, n'a pas besoin pour la bouche. Mais n'a pas le moment quand on n'a pas parabole. Et je dirais les choses en parabole. Donc, quand nous son ministère n'a rien, pendant tout le temps de son ministère, a tarda qui m'a tampo Israël à comprendre. Il avait fermé les choses. De la gêne. Et
Mais qu'est-ce qu'on dit? La maison est allée à 60 coudées. La maison avait 60 coudées. Mais ce qui t'aujourd'hui, mais en prenant, dans verset 15, pourtant il y a un rapport pour Jésus-Christ. Amen. Salomon en a vu à verset 14. Après avoir achevé de bâtir la maison, 15 maintenant, Salomon en revêtit intérieurement les murs des planches de cèdre. Salomon a la depuis le sol jusqu'au plafond. Il le revêtit ainsi de bois à l'intérieur. Et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Nous allons en parler dans Cantique chapitre 1 aujourd'hui. Il revêtit les planches de cèdre de 20 coudées du fond de la maison. À la tissu, il va dire à cèdre, il va couper tout coup, il va laisser Yandako. Depuis le sol, jusqu'au haut des murs. Et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire. Mais à ce qu'il y a un passé, il y a un que les liens très saints. Combien de coudées? Ma coudée combien? 20 coudées. 20 coudées. Bien dressé, ça va. Ici, quel est qui voulait? Donc, on les a dit 60, la même. 20 coudées. 20 coudées. Et ça pour le sanctuaire, bien dressé. C'est pour le sanctuaire, bien dressé. Donc, on vient à verset 17. Verset 17. Les 40 coudées sur les devants formaient la maison. Ma coudée, tout comme il est, il vous sort et on les a dit là. C'est-à-dire. Et Nicolas. Les temps. Suivez bien la lecture. Donc, et voilà qui va 20. La Bible alors qu'elle mesure 60. Combien a? Mais le temple a l'écriture. L'écriture de Dieu. L'écriture. L'écriture de Dieu. Et ça, c'est comme le pasteur vient de dire. Faites-moi. Prophétiquement. C'est un ami que j'habitais au milieu. Nous avons fait la carte, Nabino. La main de l'Esaïe. Suis la lecture. Alors, il y a un point de cèdre à l'intérieur, verset 18, de la maison. D'été, la cèdre, la tête, il y en a. Maison, déjà, dans les vies, il y a 40 coudées. Ça va? J'ai parlé des 40 coudées. Alors, on déjà la terre à 60. Sont la maison offrait des sculptures de coloquentes. C'est ça là qui n'a pas compris ça. Il y a pas ma casse à coloquentes. Sculptures de coloquentes, les avantages, c'est que vous voyez, on a pour mon mot et vous portez la mort. Là, vous voulez dire qu'il y aura une maison qui viendra porter la mort. Parce que ma fille, sa prophète, va le voir tout en bas, c'est coloquette, la mort est dans les peaux. Parce que lorsqu'on a fait les coloquettes dans les peaux, on a mis la mort. Dans la dose, on a mis la mort. Maintenant, lorsqu'on faisait cette maison, c'était la maison des saints. Et pour le bâtir, on a le roi. Cela veut dire que cette maison, tu es roi. Non, au mais tu vas mourir sur la terre. Attends, on va. Attends, on va. Parce que tu verras sur la terre. On a mis les coloquettes sur la terre. Et les flèches de Paris. Fleur de panneau et la résurrection. Les fleurs de panneau, c'est ça la résurrection du Christ. C'est la gloire. Et ça, quel mot? Parce qu'on a vu que la gloire de l'homme est comme une fleur. Oui, dit que le Dieu n'est pas la fololo. C'est vraiment bien. C'est la même bien. Donc, après l'avoir souffert, donc après les souffrances, il va souffrir, après à cause de la glorifier. Il sera glorifié. Ah, il est mort, il va sortir. Fleur et panouille. Bah, follow le foudre. Maintenant, il n'y a pas verset 19. Le verset 19. Salomon établit les sanctuaires. Salomon a su les 6 ans et l'équipe. On les fait couder. On les fait couder. Ça va? Oui. Il établit les sanctuaires intérieurement au milieu de la maison. A su les 6 ans et l'équipe la tient, on a 4 à l'accord. Salomon à quoi? Salomon les a prises. Ah tiens,
in a tarte, il habite en nous dans le cœur. Lui qui est le Très-Saint. Dieu en état foulé. Parce que au moment que la lien saint, chandelier, pas ça, ça. Parce que nous verrons dans le lien saint, il y a des chandelles. Ah, on continue à la semaine. Lorsque nous allons continuer à la semaine. Vendredi par la grâce de Dieu. Vendredi par la grâce du Seigneur. Et que le Seigneur n'a pas pour l'enrichement. Le Seigneur te bénisse l'enrichement. Et que la paix du Seigneur les a. Quand tu vas te poser, on va
Oh.